C'est pas ce que je voulais. Je me suis planté. Ah bah bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Un petit dimanche matin tranquille, peinard pépouse. Je démarre tardivement, vous voyez, presque 10h. J'ai joué les prolongations de la grasse mat, ça fait du bien. Donc voilà, on va se faire 3 petites heures de Minecraft, puisqu'on retrouvera déjà FunFan tout à l'heure vers 13h pour du Final Fantasy qui va faire avec Dilocine et on l'espère Bastos, normalement qui sera présent. C'est cool. L'après-midi, pour le programme de la journée, l'après-midi, je ferai du Tomb Raider 4. Mais à mon avis, je ne ferai pas que du Tomb Raider 4 parce que normalement, il va me rendre l'antenne à partir de 16h et je me vois diffuser jusqu'à 21h ou un petit peu. Ouais, 21h, on va dire. Je vais me mettre des horaires raisonnables. Mince, j'ai pas zappé, excusez-moi, là où il fallait par rapport à mon interface de contrôle vis-à-vis de Twitch. J'avais masqué mon chat. Si vous me faites la causette et que je vous mets un vent, ça va pas le faire. Il y a un Enderman sur le balcon. J'espère qu'il me démonte pas brique par brique le bâtiment. Regardez-moi ça. Bon, il y a un cube de sable dans les pattes, mais... Je m'en méfie. Il y en a des œufs. Ah oui, c'est vrai, j'étais dans la jungle en train de repiquer du... Ça y est, rien qu'en observant ce que j'ai là... J'y comprends. J'y comprends. Je vais laisser trois fougères ici. Oh la vache. Ouais, non, là, il y a du sable. ...100% relaxation, hein, je suis vraiment en mode baba cool. Bonjour Twinsen. Voilà, pomme de terre, je vais rien en faire ici dans l'immédiat. La terre non plus d'ailleurs. Non, le bois d'acajou, je vais le laisser ici. Il va falloir que je passe un test. Ouais. Que l'herbe arrive à se répandre dans le box aux chevaux. Alors j'essaie de repiquer l'arbre de la jungle, en fait hier quand j'ai joué hors antenne, voilà l'arbre de la jungle qui est énorme, je me suis rendu compte que j'en avais plus de pouces, donc je suis reparti en expédition chercher, on va dire au point d'origine, la jungle, et bah, pour piquer tout ça c'est pas évident, la preuve, certaines pouces ne prennent pas, c'est pas évident du tout. Ah merde, ah vache, il est plus haut que je ne pensais. Euh...
pousse là, mais j'en avais une troisième de petite. Pourquoi je le vois pas? J'ai fait le con, il y a eu un bug ou... bizarre. Ouais, alors lui, il est tellement grand que je vais attendre que les lianes poussent sur l'écorce, que je puisse grimper à son sommet. Et l'exploser, quoi. Ça me fera potentiellement plusieurs graines de... Enfin, plusieurs pousses d'arbres. Alors là, si la récolte est nulle par le petit là, je suis triste. C'est un risque. Dans les probabilités du jeu, c'est malheureusement un risque. Alors, petit test. Bonjour, Nashevman. J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Moi, je suis vraiment relax, hein, calme, tranquillou. En plus, c'est pas comme si on était le week-end du 15 août. J'ai envie de dire, tout est à l'arrêt à ce week-end-là. Ah, je savais que je pouvais faire des grandes fougères. Ah, cool, ça me plaît ça. Ah là, les grandes fougères, elles vont me plaire. Cool. Par contre, je récolte pas de pousses d'arbres de la jungle. L'acajou, ça fait suer. Ah bon, ça peut bien jouer ta vie. On a de la pluie en mode ultra-averse. Ah oui, ça doit rafraîchir à mort. Par contre, le problème, c'est que ça risque de ruisseler. Puisque les terres sont sèches. Et c'est pas cool, en fait. Enfin, ça fait partie, voilà, de la météo qui part en roue libre. Et ça devient des enchaînements de mauvais événements les uns derrière les autres. Alors oui, nous humains, ça nous rafraîchit sur le moment, mais si c'est pour se retrouver inondés dans la vallée... Ah là 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 là, dur. Moi, je sais que là où je suis allé faire la promenade, que vous pouvez voir en vidéo avec Frobos, qui est le plateau de Malzéville au-dessus de chez moi, ça risque de ruisseler, sans déconner. La terre est beaucoup trop meuble, beaucoup trop sèche. Et c'est pas cool. Alors, autant le plateau de Malzéville peut faire un peu bassin, et encore, j'en suis pas sûr. C'est surtout la piste de l'aérodrome qui va prendre cher pour les planeurs, qui va être momentanément un lac. Mais pour ce qui est des autres versants, ça va faire toboggan vers la vallée. Alors autant au nord, ce sera les voies de circulation qui sont surélevées, il n'y aura pas grand-chose. Autant au sud, c'est Nancy, alors... Moi, ça me rappelle la fois où on avait eu des inondations, c'était en je sais plus quelle année, je pense que c'était pas en 2004, en 2014 je crois, 2004. En 2014 ou en 2015, et je me souviendrai toujours, il y avait Emmanuel Valls qui avait été dépêché sur place. Je le vois à la télé, dans une rue qui m'est familière. Alors, personne n'y habite de que je connais, il habitait dans cette rue, mais c'était, si vous voulez, une rue qui faisait la jonction entre chez moi et chez ma maman. Et c'est pourquoi la rue m'était familière. Alors, c'est... Ça me faisait bizarre. Et puis en mode Venise, quoi, c'est-à-dire qu'il y avait 40 cm de flotte dans la rue, c'était... Oh. Enfin bref. Mais là, ça fait 4 heures qu'il pleut, la terre va commencer à absorber l'eau. Ouais, espérons, Nash. Bonjour, monsieur Poupon. Ouais, ça y est, de la flotte aussi de ton côté, Poupon. Bisous tout plein. Ouais, bah c'est bien, vous êtes les premiers servis là. Bah j'ai regardé ce matin rapidement la carte de France des orages. Et en fait, c'est simple, le sud a les orages, le nord n'a rien. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que tout le monde revient, on dirait, ça fait flipper. Mais non, mais je suis deg, j'ai eu aucune pousse du truc. Oh là là, la misère. Je suis condamné à faire des gros arbres. Oh là là, ça va être long comme processus. Ah, oh, soupir.
Soupir aïe. Bah, je vais mettre un établi de service tout proche. Je vais me faire une pancarte. Ouais, en acacia, ce sera rigolo. Ça va changer un peu le... en acajou, pardon. La pancarte en acajou. Et je vais expliquer que c'est un arbre de arbre de rejet. Voilà. Acajou, alors traité pour rejet. Ne pas toucher. Merci. Pour faire du repiquage. Voilà. Voilà, même de la nuit, on pourra lire le... Oh. On achève man, là, tu rentres dans l'art, monsieur Poupon, là. Ah, breton alcoolisé, un breton enjoué. N'importe quoi. Ah mince, il fait déjà nuit. Ouais, faut que je file à l'auberge. Mais il aime ça. Ah bon. C'est une facette de Monsieur Poupon que je connais pas. Enfin, pas encore alors. Et bonne guerre. Ah là là. Ah, oh, c'est Landerman sur le balcon. Franchement, il me fait flipper lui. Mince, j'ai oublié de fermer ma porte pudiquement. Oh la jolie lune. Y a rien d'anormal dehors. Tiens, observons un peu les monstres qui peuvent se générer dans le... Maintenant que je suis à l'abri. Oh! La bande de creepers avec un cochon. Mon dieu, affaire de cauchemar. C'est un gratin dauphiné et un gratin gruyérisé. Voilà. Pas bête la suggestion de gratin. Alors c'est bête, mais je peux m'en faire un en plus. J'y avais pas pensé en miam. J'ai le gruyère et j'ai les pâtes. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire fondre mon gruyère quand je me sers chaudement les pâtes sorties de la couscoussière, là, quand je fais ma grosse marmite de flotte. Mais à l'idée de le faire en gratin au four, c'est vrai que j'y pense plus. C'est bête, mais merci de m'avoir d'avoir mis le mot-clé gratin. Ça m'a donné une idée repas. Une variante. Nash qui aime manier le fouet, hein, pas moi. Ah bah vous connaissez la commande. Je vous provoque. Il va se passer un truc. Ah bon, c'est celui de Christella. Ah bon. Ah non, pour moi le fouet il est à toi Nash. Ah là là. Ouais, gratin de pâte, ouais, bah, surtout qu'il y a des variantes qu'on peut se faire... À déguster. Navré de vous décevoir, mais point de fouet par ici. Sauf si Nash est de passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus aux soirées. Fallait que je le fasse, désolé. Alors, il peut m'arriver de shipper les commandes des autres, mais d'en faire ma propre interprétation. C'est pas la seule, enfin... C'est d'autres commandes, je crains ces références que vous n'avez pas, parce que c'est des chaînes que je pense pas que vous connaissiez, que moi j'aime bien, sur lesquelles flâner de temps en temps. Mais ça peut m'arriver de shipper les commandes des autres, mais pour faire ma version à moi.
Parce que c'est vrai que j'avais remarqué dans Twitch, mais je pense que c'est les réflexes des gens, ils oublient qu'ils sont pas dans le bon canal et ils balancent parfois des commandes qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et je me suis dit, tiens, ça peut faire l'objet d'un jeu. Et du coup, je m'amuse parfois, voyez, à foot. Voilà, pour la vanne. Oh, la liane, elle est presque complète là pour aller au sommet. Je vais tenter de bûcheronner l'arbre. Surtout qu'on est au début du jour, donc. Il y a déjà l'arbre qui. Je vous dis, c'est bizarre, c'est quoi ce bruit? Mais en fait, c'est l'arbre qui éclate déjà. Qui est en train de se décomposer. Ouais, je me disais bien qu'il y avait du bois derrière. Ça m'aurait fait une branche en lévitation, ça aurait pas été cool. Là, l'arbre en lui-même, je suis même pas sûr parce que. Merde, il y a du bois, je le vois. Aïe 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 aïe, je suis descendu trop vite. Ah, je suis descendu trop vite. Je me disais bien que je voyais pas la lumière du jour à travers le feuillage. Ça veut dire qu'il reste une branche. Et là, normalement, c'est bon. Enfin, je crois. Enfin, je provoque le. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais bon. Après, il n'y a plus qu'à espérer que j'ai au moins 4 pouces. Que je sois neutre sur la rentabilité de l'arbuste. Attendez, pardon, je suis vraiment complètement affairé à l'abattage de l'arbre. Et je vous lis dans le chat juste après quand je suis revenu au sol. Ah, si j'ai pas les 4 pouces là, ça craint. Ça veut dire qu'il faut que je retombe dans la jungle. Ça m'enchante pas trop. Ou alors je refais des petits arbres, mais c'est quasiment perdu quoi. Quand on fait ça. Bon, au moins c'est pas la nouvelle essence de bois qui sera en manque. Alors, j'ai une pousse. Ah, déjà à ce stade de désintégration, c'est pas bon signe. J'ai l'impression que le biome ne lui convient pas. J'ai récupéré celle-là qui, de manière indépendante, n'a pas poussé. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir en récolter au minimum 4. Ah bah là, je suis à 3. Il y a quelque chose sur la voie, peut-être, non? Non, il n'y a rien. Alors attendez, je vous lis. Je vous lis, je vous lis. Je reviens à Minecraft et à ton serveur, je drop du diamant. Quoi? Le drop de diamant est réduit ou bien. Ah non, non, non. Les stats, c'est les stats du jeu, hein. Moi, j'ai rien trafiqué. Non, non, non. Par contre, je sais pas si c'est une légende ou si c'est vraiment réel qu'il y ait plus ou moins de diamants en profondeur en fonction du biome dans lequel on se trouve. Je 50-50 pour la théorie, je sais pas, je suis pas persuadé. Alors, Nash répond pas tant que ça. En fait, sur l'axe Y, il y a plus de blocs. Donc, la marge pour trouver des ressources est plus grande, je trouve. Ah, peut-être que ça a rebattu les cartes. C'est vrai que la dernière mise à jour avec les tréfonds là en très sombre de 0 à moins 64 a possiblement rebattu les cartes de distribution des diamants. Perso, je n'ai jamais autant vu de fer et le diamant, c'est pareil. Ah ouais. Au pire, utilise la poudre d'os. Pour faire quoi? La poudre d'os, c'est un engrais, un colorant à la base. Je connais que la couche 11. Ah!
Ah, alors je peux au moins refaire un grand arbre. Mais... Ah! Ça va. Là, je suis dans le normal, on va dire, dans la distribution de pouces. Ah, elle est tombée sur la route. Ah non, elle est tombée là. Je vois un truc en lévitation là-haut. Je crois que c'est une pouce. La vache, elle est haute quand on la regarde à la lunette comme ça fait trop bizarre. Ah! De l'intérêt de faire des grands arbres en fait pour le repiquage. Oui, mais pour faire pousser ton arbre, ou alors je n'ai pas compris ce que tu voulais faire. Non, moi oui. Ah oui, alors en fait, je sais pas, t'as voulu t'adresser à moi, Nash, et t'as tagué, enfin, alpagué, j'allais dire. T'as étiqueté Poupon. Mais oui, tu as raison, oui, poudre d'os, c'est colorant blanc et engrais. Merci, merci. Et peut-être d'autres choses accessoirement que je ne connais pas. Ah, la blague. Évidemment, c'est le dernier cube qui retient le truc, qui est le dernier à disparaître. Attends, je vais me mettre juste en dessous. Je me mets bien à la verticale. Voilà, là, je vais me manger la pousse dans la tronche. On va l'avoir arrivé en gros dans la lunette. Ouais, j'essaye de repiquer en fait les arbres de la jungle. Parce que en fait, c'est le nombre de pouces qui me manque le plus. Donc autant que j'en ai un nombre assez conséquent. Bon, il faudrait pas qu'il y ait un creeper qui me tombe dessus. Trop bien. Ah, bah je me sens mieux là avec cette pousse. Eh bah dis donc. Bon, bah je vais en refaire un. Voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est déjà la journée Minecraftienne qui passait rien que pour l'arbre. Alors oui, j'en ai pas 4, mais tant pis, quoi, je vais. Ça va m'en faire un petit, on va le voir, mais bon, c'est pas grave, je leur piquerai. Alors me suis dit, mais de quoi il me parle, Nash? Ah ben c'est bien Nash. Mais moi de mon côté, voilà, il y a certaines ressources, je manque. Mais c'est pas grave, ça va s'équilibrer. Et sans chartreuse. Alors la chartreuse, c'est vrai que c'est un alcool que j'aime bien, qui est terriblement fort, mais oh, j'adore les alcools à base de végétaux. Enfin, je suis idiot parce que quand je dis ça, mais. Je pourrais plus dire la dernière fois que j'ai savouré de la chartreuse. C'est vraiment un apéro de fête pour moi, mais le gros événement, quoi, du genre le mariage. J'ai rien que d'y penser, j'ai encore la saveur de la chartreuse dans la bouche en y pensant. Mais la chartreuse, la dernière fois que j'en ai bu, ça remonte en années. Hein. Si peu pourtant l'élixir à 70 degrés. Oui, alors là en plus c'est de la chartreuse. Tu dois avoir la chance d'avoir de la chartreuse, j'ai envie de dire plus artisanale que moi. Voilà, par défaut j'ai la chartreuse du, je veux pas dire du pauvre, parce que quand on voit le tarif quand on achète la bouteille dure, faut échanger un billet contre la bouteille. Elle est à 40 chez moi, la chartreuse commerciale. Enfin, je dis chez moi, non, elle est à l'international, je pense. Mais à 70. Wouhouhouhou! La violence!
Là, ça me rappelle quand j'avais quasiment la vingtaine. J'avais une connaissance qui m'avait fait goûter un alcool qu'il faisait lui-même. C'était à l'époque où on avait encore le droit d'avoir en privé sa qu'on appelle ça, j'allais dire sa faiseuse de liqueur. Son alambic, là, pour faire de l'alcool. Je sais plus le terme, je l'ai retrouvé pour moi. Et on avait à l'époque encore le droit d'en avoir en privé. Et il faisait son propre alcool, je sais plus, il avait sa propre combinaison de végétaux à faire macérer dans l'alcool. Le truc, ça sentait super bon. Hein. Mais alors la vache, ça a arraché la tronche. Ouais, tu le mets dans la mobylette, ouais, ça fait concurrence à SpaceX en 2 secondes. Ah. Ah, il est plus petit celui-là. Il est plus petit l'arbre là. Non, il faut que je fasse autre chose dans la journée là pour. Parce que l'arbre sera pas prêt avec les lianes. Je vais trop vite dans le processus de repiquage. Oui, en dehors des alambics, là, je rebondis sur le coup, mettre ça dans la mobylette, histoire de concurrencer SpaceX. Alors, pour l'anecdote, en Formule 1, le pilote français Jean Alési, à l'époque de son heure de gloire, à un moment, il avait fini son. Je sais plus si c'est son Grand Prix de France ou son Grand Prix d'Italie. Non, je crois que c'était le Grand Prix de France. Et à la sortie du Grand Prix de France, il se rend compte que dans son agenda très serré, il n'avait pas pris le temps de faire le plein de sa bagnole sur le parking du Grand Prix. Mais ça, sa bagnole normale. Il avait une mince. J'ai le dessin de la voiture en tête, mais plus son nom. Il avait une petite italienne, une petite bombe italienne là. Alors pas une Ferrari, pas une Lamborghini, hein. Une Lancia Delta. Il avait une Lancia Delta. Un très bon choix, vraiment, honnêtement, pour un conducteur. Très bonne bagnole. Elle a de la patate, comme on dit. Et il était emmerdé. Il n'avait pas fait le plein. Il n'y avait pas de station-service dans le coin à la sortie du Grand Prix. Et il va voir ses collègues au stand de Formule 1, il leur dit, mais je peux pas vous shipper 20-30 litres de l'essence de Formule 1. Il faut absolument que je rejoigne en 1 heure l'aéroport de Turin. Et ses collègues lui disent, non, non, mais fais pas ça, c'est pas raffiné pour la voiture de Monsieur Tout le Monde. L'essence de Formule 1, tu peux pas la mettre dans ta bagnole de tous les jours. Et Jean Alési insiste lourdement en disant, mais j'ai pas de solution de secours. Il faut que je sois à l'aéroport de Turin dans 1 heure. À contre-cœur, il y a un de ses collègues qui s'exécute et qui lui met dans sa Lancia Delta de l'essence de Formule 1. Et puis, Jean Alési qui se lance, qui part sur l'autoroute en direction de Turin. Et là, la Lancia Delta qui avait quelques années déjà de service, qui retrouve toute sa jeunesse de sortie d'usine. Le passage de rapport se fait super bien, elle répond au quart de tour. Et la bagnole, franchement, nickel. Jean Alési, sur le moment, est content. Manque de bol, à la moitié du trajet, pas très loin de la frontière franco-italienne. La voiture qui commence à avoir des ratés sévères et qui finit par caler en beau milieu de l'autoroute. Jean Alési qui se gare sur le bas-côté, bande d'arrêt d'urgence en warning. Et là, la merde, il ouvre le capot complètement brûlant, fumant. Il se rend compte qu'en fait, son moteur a fondu. Voilà, bah oui, bah c'est ça, monsieur Poupon. D'ailleurs, c'est bête, mais l'anecdote que je viens de vous narrer, c'est peut-être ce qu'a inspiré Yves Lecoq et la bande des écrivains avec Bruno Gassiot pour les guignols de l'info, à fond et puis dans les graviers. Là aujourd'hui, malheureusement, Jean Alési est dans la rubrique faits divers, je l'avais déjà raconté parce qu'il avait posé un engin explosif pour faire une vacherie à son futur ex-beau-frère. Un engin explosif dans l'entreprise, voilà, de l'intéressé. Enfin bon, bref, c'est d'une tristesse. Là-dessus, pas malin de sa part. Mais enfin bon.
N'empêche pas que Jean Alési reste une légende, un grand pilote français. On va essayer de garder le meilleur. Alors attends, pardon, je vais te lire Nash parce que t'as pris le temps de m'écrire un grand pavé. Bon, ça va, on est 2 jours, je peux rester. Et je vois pas de creeper à vue. Alors, la chartreuse est produite uniquement à côté de chez moi et la fabrication est surveillée par les moines de Chartreux. Ils la gardent la recette secrète, d'autant plus que 2 moines uniquement la connaissent. Oui, la tradition, j'en ai entendu parler quand j'étais gosse. Ouais, c'est bien. Les chartreuses les plus connues sont la jaune à 40, la plus liquoreuse. Ah bah c'est la jaune que je connais. La verte, la grande classique à 55. Ah, c'est peut-être celle qui est mise en bouteille là, à 55. Mais la jaune, l'étiquette jaunie de la chartreuse liquoreuse, ça doit être la dernière que j'ai dû consommer. Je devais pas avoir la verte à 55. Elle était vachement bonne. Et puis, t'as le médicament original, l'élixir de chartreuse à 69 officiellement, à boire sur un sucre pour les maux de ventre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Indice d'octane trop fort, je pense. Oui, le moteur a une belle mort, hein. Carrément du métal liquide qui a fondu sur la bande d'arrêt d'urgence, violent quoi. Ça, pour décrasser le moteur, là, ça l'a littéralement consumé. Mais merci du rappel, Nachevman. Merci, effectivement. Bien vu, bien vu. Non, je pense que dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir la moins forte, la 40 en jaune. Ça pétait en goût, j'adorais. Ouais, bah ouais. Ouais, non, mais ça, c'est des bouteilles exceptionnelles, ça. Attends, c'est pas possible. Ah, bah oui, il y a un grand arbre à côté, c'est pour ça que le truc meurt pas. Mais bah, lui, il repoussera pas. Il va falloir que je les délocalise celui-là. Oula, ça fait ridicule. Mince, bah bravo, j'ai pas mis le cube où il fallait. C'est encore l'œuf d'un Enderman, ça. Ah, c'était un grand arbre. Tant pis, celui-là, je le fusille. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore du. Oh, je verrai la meilleure qui se décompose, tant pis. Donc là, je vais passer la nuit et je vais m'acharner sur le. L'acajou de la jungle. Ah, je vous abonnais entre deux verres de chartreuse, oh mon dieu. Je vais préparer mon gratin. Ah ouais. Ah merde, en pleine de gruyère. Ah, j'ai la chance de m'avoir carrément acheté un sac d'un demi-kilo là. Mais bon, bonne matinée, bon dimanche, merci Monsieur Poupon d'être passé. Et puis bah du coup peut-être à ce soir, puisque maintenant tu rediffuses le week-end. Il est possible que comme hier, je te fasse un coucou à défaut de faire un relais de chaîne. Mais merci d'être passé, bisous tout plein, bon dimanche. Il n'y a plus qu'à espérer que les orages soient pas trop violents. Mais ouais, la semaine prochaine, on va respirer. Oh, waouh, papa, ça va faire du bien. Mais franchement, l'été maintenant, les étés, c'est horrible, mais je les redoute. Autant l'hiver, je peux avoir un peu les chocottes quand il fait vraiment froid au niveau du coup du chauffage et réussir à pas choper la mort. Autant maintenant, les étés, ils me font vraiment peur. J'ai vraiment, sans déconner, j'ai peur de miser ma vie et d'y rester, quoi. De me dire, je vais crever d'une sécheresse violente et je vais y rester. Parce que je supporte pas la chaleur. Ah, faut que j'aille à l'auberge. C'est déjà le crépuscule là. Ha ha!
Pas de gruyère sur un gratin dauphinois. Oui, parce que c'est les pommes de terre, la crème et les lardons normalement seulement. Bah oui, c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. C'est un sacrilège sinon. Ah, il faudrait que j'aie une pelle touchée de soie, moi. Sans déconner. Sans déconner, il faut que je me trouve une pelle touchée de soie, que j'ai quelques cubes en herbe. Oh, le casque quand je tomberai dessus. Je vais honteusement laisser la... Voilà, comme ça avec la musique. Pourquoi? Parce que il va falloir que je... J'aille aux toilettes, excusez-moi. C'est... J'ai même l'alerte dédiée. Pardon, je vais déjà couper le micro. Veuillez excuser cette interruption de programme. Le sage doit soulager sa vessie. Il s'est donc précipité en chambre basse, aux toilettes si vous préférez. Émoticône souriant. Merci de bien vouloir patienter quelques instants, le sage reviendra rapidement. Ah oui, je suis tombé, je maltraite ma webcam, rien ne va plus. Heureux, pardon. Donc voilà, le temps de me laver les mains, mais évidemment de manière hygiénique. Donc là seulement. Pas de lardons non plus, juste les patates et la crème, de l'ail et éventuellement du poivre. Ah, alors tu vois, tu fais bien de me mettre à jour parce que. Je l'associe avec des lardons, donc c'est une erreur. D'accord. Oui, ça n'empêche pas les variantes, ouais.
Mais ok. Ouais, merci de la précision. Ça, pareil avec le. Il y a le même débat avec les pâtes à la carbonara. C'est vrai que beaucoup prétendent aimer les pâtes à la carbonara, mais en fait, c'est pas la recette originale. Enfin, bon, bref. Ah, l'acajou, je vais pouvoir m'acharner dessus. La liane est suffisamment grande. Apparemment, il n'y a plus de cubes, c'est bien. Ah, t'acceptes bien plus les lardons que le fromage. Ah. Ouais, sinon on doit atteindre pomme de terre, ouais, bah exact. Ok, j'ai 0 pouce. Je crois avoir une tournoyée, mais Ah non, même pas, c'est du bois. Ouh, je la sens pas. Je sens que je perds de l'essence d'acajou là. Oh merde. Oh merdoum. Oui, c'est bien, j'ai remangé, ouais. Alors quand j'étais un peu dans le sud, on m'avait demandé du coup comment ça se gratinait. Ben c'est juste les patates qui grillent. Effectivement. Ah non là, ça craint du boudin là, mon repiquage. Ça craint, ça craint. Ah merde. Bon là c'est le bois, je récupère la bûche. Ah! Je crois que c'est une pousse qui est tombée. Du moins je l'espère. Non? Ah merde. Non, elle serait tombée là par rapport à... Oh là là, la misère. Oh, il m'en faudra encore juste une pour tenter la chance de ravoir un grand arbre. Wouah, ça craint le repiquage. Et je crois que c'est la première fois dans Minecraft que j'ai autant de difficultés à faire un repiquage de bois d'acajou. Attends, on est d'accord, j'ai rien sur la route. Non, non, j'ai rien sur la route. Donc tant pis, quitte à me péter les chevilles, au moins je verrai par-dessus ce qui tombe. Oh la misère. Ouf, ça va. Je peux remiser, repiquer au moins une fois le... C'est déjà ça. Donc là, on va dire que le gain est neutre, mais bon.
Qu'est-ce que... Ah, c'est la liane que je voyais. Je me dis, mais c'est bizarre comme affichage. Mais c'est la liane qui pendouille au cube. Non, mais là, c'est mort, mon truc. Soupir. Tiens, j'ai une idée d'ailleurs. Ah non mais non là j'y crois plus là. Ah crotum. Pardon. Ouais, on va plus j'en ai. Je coupe les deux là, puis je file à l'auberge. Et je file à l'auberge. Ah, ce trou dans la dune, il faut voir. Oh! Nouvelle lune. La violence. Ah, il va y avoir beaucoup de monstres la nuit. Oui, santé, oui. Merci. Oui, non, moi je savoure ma... C'est mon mug de café au lait. Hein. Si t'es intrigué sur ce que j'avais en main, c'est mon mug de café au lait. C'est mon plaisir matinal. Café au lait de chèvre, pas de vache. Je trouve que le lait de chèvre a beaucoup plus de goût quand il est lié au café. Enfin, ça tient évidemment qu'à... Comme les goûts sont subjectifs. Mais c'est mon grand plaisir. C'est mon petit luxe à moi, quasi quotidien. J'ai bien quasi quotidien, parce que parfois je purge un peu le corps au niveau de la caféine. Parce que sinon le foie et le reste du corps en prend un coup. Je t'accompagne, bon par contre, c'est juste un café. Oui, non mais... Fais-toi plaisir, t'as bien raison. Elle me rappelle pour mes 40 piges. J'ai mon adorable nièce qui m'a offert le resto. Et dans le resto dans lequel on se trouvait, il maîtrisait la riche coffee. Ah, j'ai pas boudé mon plaisir. Ah la vache. J'ai envie de dire presque par tradition personnelle, je m'offre un Irish Coffee le jour de mon anniversaire. Et là, ma nièce adorable qui m'offre le resto, et c'est un peu tenter un coup de poker quoi, de commander un Irish Coffee parce que tout le monde ne le maîtrise pas. Et là, franchement, ah, il était bien. Là, j'ai bien immortalisé mes 40 piges. Ah, t'as jamais goûté un Irish Coffee? Bah, si t'aimes le whisky, le café, et le côté crème chantilly, c'est le paradis en bouche. C'est juste ça. Non, sans déconner, le meilleur Irish Coffee que j'ai goûté de ma vie, c'est l'atmosphère autour qui a contribué à un bonus par rapport à la boisson qui était déjà très bien servie. C'était à Europa Park, ça peut être surprenant, mais c'est la fois où ma frangine m'a fait découvrir Europa Park. Je suis allé dans la taverne irlandaise, et en fait, il y avait une ambiance avec les employés au comptoir qui me bluffaient. En fait, ils sont bilingues, voire trilingues à Europa Park, donc à jongler entre l'anglais, le français, l'allemand et voire d'autres langues. L'ambiance est très particulière dans le comptoir irlandais. T'as un mec qui joue de la guitare sèche au fond du salon, enfin de l'auberge. Et waouh! Et puis en plus, les employés qui sont dans le costume, tu sais, dans l'habit à l'irlandaise. Ah, c'était magique! Bonjour, cousin! Regarde ton téléphone, s'il te plaît. Ah. Alors, téléphone que j'ai fait tomber comme une crêpe hier soir. Ah merde! Ah merde!
Ah ouais, effectivement, alors décès dans la famille. Merci, cousin. Merde. Ah, merdoum. Oui, je te pose voilà, symboliquement, je te réponds ok, merci pour l'info, cousin, par SMS, mais. Ouais, bah l'info va se diffuser dans le ce week-end. Ah, dur. Dur. Ouais, merci, Nachevman, ouais, pas cool, ouais. Ah, merde, Oum. Bah, ça veut dire enterrement dans la semaine. Enfin, je présume. Dans la semaine qui arrive. Ah, ouais. J'anticipe déjà l'agenda en conséquence. Oui, non, mais tu peux rien. Merci de me faire parvenir l'info plus vite, cousin. Mais ouais, c'est sûr que ça jette un froid, quoi. Bon, voilà. Il était gravement malade. Voilà. Oui, tu t'es trompé de messagerie, ouais. Mais, ouais. Dur, paix à son âme. Là, je suis en train de me dire, va falloir que je prépare mes chaussures d'enterrement. Le costume, je dois l'avoir emballé. Le costard mortuaire, là, en noir. Aïe. Oui, du coup, ça. C'est vrai que ça jette un froid, je dis plus rien là. Je suis en train de déjà de réfléchir et d'anticiper mentalement l'enterrement. Aïe. Quoi? Son somme invité ce midi. Ah, vous êtes invité à midi. Oui, merci. Oui, bon dimanche. Oui, je sais que t'étais bien occupé, cousin, dans l'agenda. Profite. Merci, bisous, merci pour l'info. Bon dimanche malgré tout. Bisous tout plein. Aïe, ouais, paix à son âme. Oui, ça va être dur là, en famille, l'enterrement. Aïe. Ouais, qu'on concluait si bien l'infirmière qui avait géré le décès de feu mon papa. Au moins, il ne souffre plus. C'est au moins la consolation. C'est qu'il y a une certaine décence pour le malade à ne plus être en souffrance. Au moins, c'est l'avantage certain
d'avoir deux petites ailes dans le dos. Aïe, 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 aïe. C'est souvent ce que je me dis quand je perds quelqu'un dans ma famille, dans mes proches, mes amis. Voilà quoi, faut philosopher. Voilà le concernant l'intéressé, ça faisait déjà en années qu'il vivait à l'hôpital. Hein, il aurait une fin de vie pas cool du tout. Vraiment une grande, grande maladie. Bon bah voilà quoi. Il est arrivé au bout de ses forces et... Aïe, aïe, aïe. Ah, bah il est là le petit que j'avais planté, que j'avais... Ah oui, il y a une fusion à 3, ok, je savais même pas que ça pouvait se faire. Kodak. Je suis bête moi de garder mes pouces de... Comment ça s'appelle? Mes pouces de... Fougère. Faudrait que je les plante dans le parc sur la plateforme. Bon là maintenant que j'ai coupé ça, je vais attendre de récolter les rejets de... Ah, il a l'air pas mal grand celui-là. Merde, c'est déjà le crépuscule. Oh. L'horreur, ça truc. Oui, il m'a l'air pas mal celui-là. Avec un peu de chance, j'aurais pas mal de rejets. Espoir. Alors, et de une. Là, ce qui serait génial, c'est que cette base de 3 me donne 4. Alors là, je pourrais retenter un. Oh, oh, oh. Je vois des choses qui me plaisent d'ailleurs, justement. Je vois des choses qui me plaisent. Non? Attends, j'ai mis un truc tournoyé, non? Ah! Qu'est-ce qui me pousse? Un cochon. Ouais, je vois plein de... Non, tant pis, il faut... Là, faut que je me mette à l'abri parce que je vais me faire bouffer par les ennemis. Ils vont apparaître maintenant et je vais être dans la mouise. Hop là! Merde, je voulais courir et faire un saut et j'ai merdé. Bon. Ah, crotum. Ah, cool. Il y a l'herbe qui a pris dans le box des chevaux. Oui, Nash, c'est cool, tu me rejoins. C'est cool, c'est cool. Merdoum, la bande des vilains creepers. Voilà, carrément le zombie momifié en armure d'or. La violence. Alors, l'heure de la récolte a sonné. Oui, génial. Je peux repiquer un grand arbre. Je reprends espoir. Sans déconner, je reprends espoir.
Alors attends, je vais planter là et je vais couper celui-là qui finalement va gêner. Ah merde, j'avais pas vu qu'il était en Y. Mais voilà, il va se décomposer et puis il va laisser la place à l'autre. Ah oui! Bonjour Olive. Ah, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien en ce dimanche matin. Ouais, t'essaies de récupérer un peu? Ouais, bah oui. Alors, en espérant que t'aies encore davantage de fraîcheur ce matin. Ah bah du coup, Winash qui m'a rejoint dans Minecraft il y a pas 2 minutes là. Il vient de se connecter. J'aime bien cette musique. Alors là, pour le coup, c'est l'autre arbre, l'africain, là, l'acacia. À pas confondre avec l'acajou, que je convoite. Oh, l'acajou qui finira par pousser. Non, lui, il est pas encore... Ah, merde, je peux pas attaquer la façade là, c'est une manche. Oh, mais hé, je pourrais presque... Presque. Ouais, non, tant pis, c'est pas grave, j'attendrai. Allez, je vais reprendre le chemin de la plateforme. Ça va changer un peu de décor dans le jeu. Ça va me faire du bien de repiquer des fougères dans mon parc là. Et il faudrait que je revienne aussi. Je vais sûrement faire un aller-retour avec une pelle à enchantement touché de soi. Que je récupère les blocs d'herbe. Non, j'ai pris le mauvais chemin. Il faut que je prenne les quais. Il faut que je prenne le chemin des quais.
c'est qui a laissé sa barque dans les... Putain, la vache. Quelqu'un s'est fait piéger par la banquise. Ah, c'est ça doit être cousin qui m'avait dit, qui m'a fait la proposition de me faire un chemin entre mon pont et la rive. Oh, le banc de saumon, je l'aurais fait. Je l'aurais foutu la frousse. Ouais, bah je peux rejoindre mon quai habituel. Voilà, on voit, j'ai le glaçon, le restant de l'iceberg. Oui, il est déjà 11h. Toucher de soi. Ah bah voilà. C'est la pelle là qu'il me faudra pour les fougères. D'ailleurs, c'est con, mais je ferais peut-être bien de faire l'herbe avant les fougères. Attends, je vais les ranger précieusement là. Du coup, j'ai envie de dire peu importe l'endroit où je cherchais l'herbe. Ou presque. Attendez, non, je pouvais passer par là déjà. Parce que c'est vrai que le dessin de la banquise, il faut que je le mémorise. Voilà, il y a les deux étranges colonnes de glace. Ensuite, je me barre là-bas. Pour rejoindre le plus rapidement la baie aux tortues. C'est pas seulement parce qu'il y a les ours, c'est surtout que je suis en train de me dire que je peux pas passer. Merde, je suis en train de me faire avoir. Ah voilà, c'est comme ça. Je me demande si dans la logique du jeu Minecraft, quand j'aurai explosé tous les glaciers, les icebergs, je vais me retrouver potentiellement avec la génération d'ours polaires sur mes plateformes. Et là, ça risque de poser problème. On va se faire déboîter par des ours en colère. Ils auront raison. Oh mon dieu. Je sais pas si ça peut se produire, mais oh la vache. J'ose pas imaginer le chaos que ça peut potentiellement générer. Aïe aïe aïe. Alors attendez, faut que j'aille retrouver les barrières que j'avais rangées. Je sais plus où. Ça doit pas être loin, les blas. Non, Canaillou, t'as cru que tu pouvais sortir, mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hein, Teddy, tu restes dans ton enclos, ouais. Par contre, rends-moi mes cubes. Ah, voilà, bloc d'herbe. Ouais, ça en fait du bois, c'est cool.
Ou alors, ouais, j'ai récolté plusieurs cubes d'herbe plus loin. Ouf. Non, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça n'a pas d'intérêt. Je suis en train de réfléchir à ça. Bon, je marque juste comme quoi je fais 2 dollars habituellement. Voilà, c'est bon. Hop là, ça me suffit. Juste marquer la position. Pourquoi s'éclairer là-bas? Ah, il y a quelqu'un qui a torché le... D'accord. Il y a travaux sur Iceberg, là. Je comprends mieux. Bon, pause. Moi, je savoure mon café au lait. Excusez-moi. Je l'ai quasiment pas bu. Alors qu'il est déjà 11h. Pardon, j'améliore brièvement mon interface de contrôle de direct, histoire que j'ai tous les paramètres sous les yeux et que je sois baba cool. Voilà, c'est bon. Il serait marrant. Alors, une fantaisie qui me traverse à l'esprit. Je sais pas si on y arrivera à terme dans Minecraft. C'est d'avoir une variante de poule. Parce que, au secours, je me fais bouleter par les raimentas de l'espace. Ah bon? Ah! Les raimentas de l'espace, c'est les fantômes. Oui, oui, ce qu'on appelle les... Ouais, les fantômes. File au lit. C'est-à-dire plus 3 nuits sans sommeil égale fantôme. Ah oui. Aïe 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 aïe. C'est pour ça quoi, que je marque la position dans le plumard. Oups. Ouais, un arbre et un... Pour un lit de fortune. Bon, on devine comment finit le mouton pour la conception du lit. La violence. En pleine mer. Waouh, erreur stratégique majeure. Adieu. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là, Nechevman, faut rejoindre les coordonnées d'origine. Mince, du coup, je sais même plus ce que je fais là. Alors, rejoins les coordonnées d'origine. C'est-à-dire le 0,0. Peut-être qu'il sait pas aussi, il doit connaître Nash. Enfin, je précise la touche F3. Aïe 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 aïe. Ah, Nash, qu'est-ce qu'il nous fait, Nash? Madia madia. Eh, j'aurais mieux à espionner depuis la fenêtre de ma chambre.
Les zombies. Alors là, j'ai envie de dire, c'est la forêt aux creepers, hein, parce que... Punaise. Ah, pour une fois que j'en vois. Alors, j'ai les cornets de ma maison, mais en fait, je suis parti dans l'autre sens. Oups. Ah, les voilà, les creepers. Enfin, du moins, il y en a un parmi les cactus. C'est vicieux, ça. C'est vicieux. Ceci n'est pas un cactus. Il bouge trop. Bon, moi, je suis condamné à attendre le jour, moi. Je vais être très vilain, je vais répondre à un SMS, pardon. Je profite de la situation. Ah, voilà, c'est l'aube. C'est sympa, Minecraft en multijoueur. Je peux honteusement, lors de mon direct, envoyer des SMS à la famille. Top confort. Non, mais le pire, c'est que je joue comme si j'étais peinard dans mon coin, en fait. Excusez-moi du peu. Top confort. Bah voilà, il peut brouter un peu, enfin, le... Il est content, le cheval. Fini la terre battue. Il va pouvoir brouter. Merveilleux, ça. Merveilleux. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être... Ah, je vais peut-être traiter le bois avant de retourner à la plateforme, gérer l'herbe et les fougères. C'est très basique hein, ce que je fais ce matin. Hein, Enfin, vous me direz, je pourrais en faire encore plus basique en étant dans les sous-sols et en train de miner, mais. Mais voilà quoi. Merde, je suis tombé comme un caca parce que j'ai pas regardé où est-ce que je mettais les pieds. Bien fait pour ma gueule. Hic. Ah ah! Ah génial. Je vais pouvoir les bûcherer. Oh yeah. Alors, attendez. J'apprécie beaucoup la nouvelle génération. Je tombe sur beaucoup d'endroits très beaux. Ouais, c'est bien.
Il y en a un autre, je le vois. Il y a un autre morceau de bois. On est d'accord là, il n'y a plus de... Moi ouais, je pense que c'est bon. Là, je suis pas sûr, mais bon. Oula, là on voit que c'est trop épais là, ouais. Avec un peu de chance. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Ah, attends, on y va, je clear, excuse-moi. Il fait frais, il pleut, on est dimanche matin, on est là pour glander sans culpabilité, on est child, bref, zéro pression. Ouais. Non, en fait, pour te mettre dans la confidence, quelques minutes avant que tu te connectes, j'ai eu un... J'ai mon cousin Rio, vous connaissez, qui m'a dit là sur mon chat, regarde ton téléphone. Et évidemment, le SMS était privé, mais bon. C'est pour me dire qu'il y avait un décès dans la famille. Alors, ça voilà. Elle m'a fait un petit coup sur le moment de goops. Mais bon, c'est malheureusement un cousin qui était gravement malade depuis maintenant des années. Et il a passé les derniers mois à l'hosto, quoi. Mais d'ailleurs, je suis en train de me dire, comme on est le week-end du 15 août, le temps d'organiser l'enterrement, je suis pas sûr que tous les membres de la famille soient là. Parce qu'il y en a qui seront en vacances. Je sais qu'il y a des autistes dans ma famille et tout le monde ne sera pas là pour le décès. À moins que l'enterrement... Non, non, on peut pas retarder un enterrement, ça se fait pas. À moins que les services soient vraiment saturés, mais... Mais je sais pas, qui, on verra. Ouais, tu peux rien, merci Olive, mais voilà, c'est pour te dire... C'est pour ça que je peux peut-être paraître un petit peu pas débousselé, mais... Encore que... Mais t'as raison, Olive, hein. Ouais, pas de pression, relax. Et voilà, hein, s'il va la vie, hein. Wally Wallou. Et bah finalement, j'arrive à repiquer des grands arbres de la jungle. Ouf! Ça va être ma petite pépinière de repiquage ici, là. Pendant pas mal de jours de jeu. Cool, je suis content. Allez, zou. Ah bah tiens, voilà une pousse en cadeau. Ah tiens, pour le délire, elle ira là, celle-là. Ah! Ah non, c'est du bâton là-bas, où on le voit. C'est une branche. Ah bah elle tombe. Oh oh, cette chute. Allez, je vais prendre ma petite embarcation et je vais me barrer, repiquer les blocs d'herbe dans ma... Là aussi, je peux le dire, dans ma pépinière, mais sur la plateforme. Ah bah, j'ai l'embarras du choix de l'embarcation. C'est le bordel. Papa. Tu mériterais une récompense pour avoir dit ça. Dinash. Ouais.
Pas mal, hein. Mais c'est la première fois que je vais débarquer par ce côté. Waouh. Là, le détour était pas mal, je trouve. Alors, voilà, le parc qui est juste derrière chez moi. Mais je pourrais commencer à nommer une rue là. Ce serait sympa. Une rue de la ville. Voilà, hop, comme ça l'herbe va se répandre. Alors ici, il faut que j'arrive à regrimper sur le schmilblick. Ça veut dire escalier. Voilà. Et plus tard, je repasserai quand j'aurai suffisamment de graines, enfin de graines, de pousses d'arbres de la jungle. Ça, j'aurai mon grand arbre de la jungle ici et ça fera vachement bien comme pépinière. Dans le gros pot, ça fera crédible. Ah, j'avais pas vu. Oui, on voit le truc en grès là. Ça fait un peu tache sur le côté là. Oh, je planquerai avec des fougères, merde. Et pas pour ce que c'est. Par contre, je prendrais bien des pancartes en bois de bouleau, qu'on les voit bien noir sur blanc, les noms de rue. De l'intérêt de choisir son essence de bois. Et du bouleau ici, je crois. Enfin, du bois de bouleau, je précise, pas de jeu de mots. Je crois que j'en ai pas ici. Donc, je l'ai dans les kits, je l'ai tété. Je vais aller voir dans le stock de bois. Mais je vais devoir refaire un voyage, voyage. Comme nous le chantait Désirless. Plus loin que la nuit et le jour. Là, pour le coup, dans Minecraft, c'est valable. Oui, non, mais c'est ça en plus. Il faut que je rapatrie du bois, de l'échange de bois, de bouleau. Ouais, je vais laisser les cubes de blocs d'herbe, enfin peut-être pas dans le truc de bois, ça fait idiot, mais là, voilà. Avec la pelle qui va avec, parce que c'est la pelle de toucher de soi, donc... À moins que je la garde et que... Oui, puisque je vais aller en quête de bois de bouleau. Stratégiquement, je vais faire une pierre deux coups. Trop tard, le jeu de mots a été fait dans ma tête. Ouais, je te reconnais bien là, Olive. Ouais, c'est bien. Ah bah j'ai une autre touchée de soie. Oui bah voilà j'ai ouais non bah les touchées de soie elles vont rester là. Ouais non mais je vais l'embarquer ailleurs. Mais oh, il pleut comme vache qui pisse. Je crois qu'il y a trois intensités, deux au moins, ou trois intensités de pluie dans Minecraft maintenant. Alors qu'avant c'était binaire, c'est vachement bien. Je sauvegarde dans mon lit. Si il meurt, il allait apparaître là dans ma douce maison. Dans mon doux logis. Je vais faire un réveil avec le cube de lumière par rapport au jour-nuit. Mais c'est pas si top que ça. Par contre, ça me donne une idée. Quand j'aurai construit une église, il faudra que je m'amuse à essayer de retrouver la note. Alors en fonction de la matière qui est sous le bloc cube de musique, c'est un instrument différent. Ça peut être un piano, ça peut être une contrebasse, ça peut être je sais plus quoi. Essayer de simuler un son de cloche, ding, 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 ça serait trop bien. Franchement, on peut le faire. Et moi, je me bats avec les raies de l'espace. Bah ouais, bah bon courage. Ah là 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 là. Alors, je vous avouerai qu'en dehors du café au lait, j'ai l'estomac vide. Je m'étais prévu ça en petit déj pour tricher, mais finalement, je vais attendre le déjeuner quand je rendrai l'antenne à FunFan à 13h. Et puis, je me becterai une salade. J'ai une envie de salade, quelque chose de méchant. Et. Ah, bah, c'est bien, ça prend déjà l'herbe.
Tiens, je suis surpris qu'il n'y ait pas de monstre sur la plateforme. Bon, là, elle est éclairée, je suis d'accord, mais là-bas. Là-bas, c'est sombre. Ah, les voilà, les vilains. Les vilains sont de retour. Nananananer, je suis dans chez moi. Je suis tranquille ou peinard pépouze. Ah, le grenier, il faudra que j'en fasse quelque chose. Alors, le grenier, je ferai des pots de fleurs quand j'aurai trouvé un filon d'argile. Généralement, c'est dans les marécages qu'on trouve le plus facilement de l'argile ou dans certaines baies. J'ai remarqué aussi avec Nainonet Froboz, il avait trouvé, à ma grande surprise, un bon filon d'argile dans les grandes profondeurs, les abysses, là, je sais plus comment il les appelle, de 0 à moins 64 au niveau des couches de jeu. Quand j'aurai de l'argile, je ferai des pots de fleurs. Et encore plus rare, des murs en briques rouges, que j'adore. J'adore la texture des briques rouges aussi dans les jeux vidéo. Ça, c'est un souvenir de quand j'étais ado dans Wolfenstein 3D. Mais ma préférence, c'est pour les textures de marbre et les textures de bois. Tout jeu vidéo confondu, j'adore ces textures. Virtualisées, elles sont magnifiques. Ah bah bonjour FunFan, pardon, j'avais même pas vu ton arrivée. je papote et puis... Je te vois même pas arriver mon pauvre FunFan, excuse-moi. J'adore, j'ai vu ton direct sur un écran et tout va bien, tu es tranquille. Pendant que, oui, toi, t'es dans la souffrance, c'est ça. Attends, pendant ce temps, j'arrache des têtes en pleine nuit à courir comme un dératé. Bah oui, mais moi, je suis peinard chez moi. Je suis resté dans ma demeure, moi. Et on entend bien la pluie dans le jeu, hein. C'est vachement réaliste, c'est bien fait. Je sais pas si on la voit, la lunette, la flotte qui rebondit sur le sol. Non, on le voit pas. Ou alors j'ai peut-être honnêtement désactivé l'option graphique. J'ai pas mis les graphismes à fond. Hein. Mais encore que avec ma nouvelle carte graphique, je peux peut-être pousser un peu. Il fait un peu plus frais maintenant. Tu t'en fous, on est dimanche. Bah même moi j'ai un peu poussé la grasse mat, je me suis réveillé à 9h ce matin. Ça fait du bien. Hein. Là j'ai un peu forcé la grasse mat. Ça fait du bien. Surtout quand le lendemain est férié. Attendez, je regarde mes options graphiques. Détaillé. Fabuleux, utiliser des shaders pour les parties de la météo. Cela peut seulement affecter la performance des appareils portables ou des écrans 4K. Voilà, je vais essayer fabuleux. On va voir si c'est vraiment fabuleux. j'espère que je vais pas flinguer les performances. Si ça se dégrade dans ma diffusion, vous me le dites. Hein. Si ça devient plus viable, j'attends vos retours en général. Ah ouais, en passant en fabuleux, je vois derrière les vitres en fait. Alors que normalement, je serais pas censé voir. Eh, ça fait vachement plus réaliste. Oui, en pyjama, ouais, fait trop chaud en été. Moi aussi, je tords dans ma tenue d'Adam, comme on dit. Surtout que je suis velu, alors... Excusez-moi du peu, mais je ressemble à un ours, moi. Papa, palapa, palapa. C'est personnel, dit FunFan. Bonne réponse, t'as raison, défends-toi. En string léopard. L'ours de Nancy. Ouais, mais tu déconnes. Mais ça aurait pu être ça, mon pseudo. Ça, en plus, le fait que je ronfle. Je suis un ronfleur méchant, quoi.
Qu'est-ce que je fais? Je fais du tri, je fais ma Valérie d'amido et j'essaie de meubler chez moi. J'ai quoi en... Ah non, j'ai 27 en expérience. Vaut mieux attendre 30 pour l'enchantement. Oui, j'avais dit que j'ai monté mon réveil dans ma chambre. Le cube de musique avec le. La dalle photosensible. Voilà. Parce qu'honnêtement, ça sert à rien. Le test était concluant, mais pas. J'ai pas de slip WWE. Ah, la suggestion. Oh mon dieu. N'importe quoi. Hey, mais elles sont là mes pancartes en boulot. Eh, hey, c'est cool. Mais oui, j'ai un peu de boulot. Oh, Kinigo. Je l'avais dans mon coffre là. Là seulement que je suis en train de percuter. Ah. Eh bah, symboliquement, mon cher fun fan, la première rue que je vais baptiser dans ma ville, que je suis en train de bâtir, ce sera à ton nom. Tu vas avoir ta rue fun fan. Voilà. Rue fun fan. Voilà. J'ajouterai plus tard les sections quand la rue sera vachement longue. Section 1, section 2, section 3. Parce que là, je sais pas trop comment je vais m'étendre de la droite à gauche. Ouais, c'est sympa dans Minecraft. Ça m'est venu en tête ces derniers jours. De se dire que tu crées ta ville. Et quand tu. Autant mettre pour se repérer, hein, ça aide les joueurs à se repérer. Tu donnes des noms de rue. Et elle viendra peut-être l'impasse partout pour rigoler, peut-être faire une impasse Bastos. Ça viendra. Et ce qui me tiendrait à cœur, c'est carrément de nommer une avenue pour Aeroster. Et voilà, la première symboliquement, c'est toi, FunFan. Rue FunFan 1992. Ibi. Oula. Les deux F en majuscule. Ah, tu mets les deux F en majuscule. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, j'avais jamais fait gaffe. J'avais jamais fait gaffe. Place de la purée. Le mec, il est bête. Alors, attends. Ah ouais. Ouais, t'as bien fait de le préciser parce que par observation, j'aurais pas, tu vois, tac. Voilà, c'est chose faite. Merde, attends. Comment ça? Ah, quand je suis trop près, je peux pas. Voilà, là on le voit bien. Sous la pluie. Le texte n'est pas centré dans le cadre. Si, par défaut, si, si. Si, si, par défaut, c'est dans le. Dans le sens vertical. Oula. Oui, bah plus tard, je te rajouterai peut-être une rue Elchitofen, mais là, tu deviendras que tu seras plus prioritaire. Ah, dans le sens de la verticale, non, t'as 4 lignes, Tuncen. Dans les pancartes de Minecraft, t'as 4 lignes. Ça se voit là, j'ai fait les 3 premières et pas la dernière. On le voit sur le nom de ma aventure de baraque. On voit qu'il met la quatrième ligne est vierge. Non, non, t'as 4 lignes de je sais plus combien de caractères. Je me demande si c'est pas 20 caractères par ligne, donc 80 c'est déjà pas mal. Moi qui aime les. Eh, c'est pas con, Fun Fan. Dans la rue Nachevman, il y aura le commissariat. C'est pas con du tout. Bonne suggestion.
Tu vannes, mais l'idée, elle est bonne. J'y adhère. Avec la flotte, l'herbe prend bien. Et donc, ils disent dans la description en fabuleux, même les nuages sont en shader. Chez Stiley. Ah, ça doit être de la chair putréfiée, ouais. Ouais. Non, c'est une torche. Rue des boulets. Oh. Voilà, c'est pas mal comme ça. Bibliothèque municipale. Ah bah non, je verrais pas plus. Ouais non, je verrais pas plus en distance d'affichage. Mais ouais, ça va faire pas mal d'iceberg à dynamiter. Eh, pas mal, petite capture d'écran. Mais on pourrait suggérer en plus dans Minecraft de la fabrication de purée, puisqu'il y a les pommes de terre. Alors la purée en soi n'existe pas dans le jeu, mais tu mets un container de pommes de terre et à côté tu fais un piston qui est en mouvement. Tu suggères que ça prépare la purée. Bah moi ici ce sera une impasse de toute façon. Je sais pas, ouais, si je me ferais une. Ouais, je sais pas, je verrai. Parce que si je me fais un passe du sage, ouais. Ça se tient, hein, même. Ça fait un peu bizarre. Ah bah c'est bien Nash. Bien joué. C'est vrai qu'au niveau de l'accès aux égouts, là c'était ma première idée, mais c'est pas forcément la bonne. Ouais, bah je vais faire peut-être un truc particulier par ici. Ouais, je vais peut-être changer là. Je vais déménager tout ça. Et je vais faire un truc à la place. Ouais, ouf, je vais pas. Voilà, ouais, je mets les tonneaux par-dessus bêtement. La 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 la. Mm.
Bah. Un truc d'accès aux égouts. Quand j'ai ça sur moi, je peux faire quoi? Je peux faire de l'armoire, ouais. Puis il y a des abîmes polis en fait. Ou là en roche lisse. Ouais, pourquoi pas. Le grand luxe d'avoir un. Parce que la roche lisse, c'est c'est la pierre classique cuite deux fois. Donc. Après les noms dans Worms, les noms des rues. Ouais, oui, bah oui. Ah, pas mal, Tinsen! L'impasse du muet, voie sans issue. Oh, les jeux de mots. Bon, bah, elle vient de près, mais. Ouais, il faut la faire phonétiquement, là, la vanne, là. Mais bien. Bien, bien, bien. Attendez, je suis vraiment en phase de réflexion là de. Ou alors je fais un truc. Ouais, je suis pas obligé de faire un truc énorme. Ouais, le petit truc vraiment bien cloisonné. Ouais, porte de sapin, ce serait pas mal. Hop là. Alors attends, voir. Hop. Là, plus tard, ouais, je remettrai du. Mince, j'ai posé le bloc là où il fallait pas. Et je donne un accès direct aux égouts là, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Oh, le boxon. Donc du coup je dégomme tout ça, il faudrait que je remette les bons trucs à la place. Là, hop. Ouais, ça se tient pour un accès aux égouts, ouais, ça va faire. Quand les égouts seront vraiment bien fermés, ça va faire une atmosphère bizarre. Vraiment, l'atmosphère des égouts, ça va être waouh. Je sens que ça va avoir son effet. Là, ouais, est-ce que je ferais pas l'échelle pour l'accès à la surface? Ce serait pas mal, non? Tac, 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 tac. Ce qui fait que, ouais, j'arriverai par ici. Je recouvre de briques, je pense que ce serait bien. Je vais faire comme ça, ouais. Je vais faire comme ça. Sauf que je sais plus comment on fait les. Est-ce que j'en ai en réserve? Non, j'en ai plus, je crois. Non, ça c'est du ballast, c'est pas la même chose. Donc attendez, je prends la pierre des abîmes. Il me propose pas de transformer. Avec un établi non plus. Donc il faut vraiment que je fasse cuire la roche en fait. Si j'ai de l'ardoise polie. Ah, c'est à partir des ardoises polies que je peux faire le. Ok. Ok. Alors. Que je fasse un truc logique et cohérent. Tac, 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 tac. Merde, là-bas. Quel idiot. Le seul cube qu'il fallait pas que je fasse. Faut que je mette une trappe ensuite.
Elles étaient sympas les trappes. Encore que. Je peux mettre une trappe classique, je pense. Ou rajouter une échelle, ouais, il m'en reste une. Ce sera un accès moins acrobatique. Non, bah là, c'est des ressources précieuses. À moins que j'aille dans le bois. Enfin, la réserve de bois. Voilà, puis je prends les... Je prends de quoi faire les trappes. Hop, pancarte en chaîne. Je ferai peut-être une indication, pourquoi pas. Hop là. Voilà. Une fois que je suis là. Le feu de camp, je vais le délocaliser là parce qu'il a plus d'intérêt, le feu de camp. Voilà, il est devenu charbon de bois, c'est pas plus mal, on l'a éteint. Ah, là je pourrais peut-être faire un truc, je pense que je peux exploiter l'espace là. Comment, je sais pas encore à côté de la cheminée, donc ce sera forcément de la pierre. Sinon ça va flamber. Vous voyez la distance entre les flammes et le bois? Je mets au minimum, je mets 3... Oh non, plus faire passer la nuit si tu... Attends. Si je me vautre dans mon plumard. Voilà, je vais me faire des fantaisies architecturales. Alors, Nashman qui dit à FunFan méfiance, il existe deux versions du jeu, la Java et la Bedrock. Pour la plupart, on est sur la Java. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a plusieurs versions de Minecraft. FunFan s'adressant à TwinSen, désolé de te décevoir que j'ai encore une alternative à Steam, mais il y a la version Java sur le store. Ouais. Oui, c'est sage décision, FunFan. Ouais. Ouais, prends la version PC, FunFan, sur le store de Microsoft. Et encore, à vérifier que ce soit vraiment la version Java et pas la version Windows 10. Parce que... je crois que c'est pas forcément... Enfin bref, le même schmilblick. Attends, j'ai peut-être des dalles dans mon super coffre fourre-tout là, dans mon rez-de-chaussée. Eh ben non. Pidu. Je n'en ai point. Et je n'en ai point, je n'en ai plus. Quick. Ah, il me repropose de faire un feu de camp. Bah, pourquoi pas, c'est rigolo. Ah, il veut en faire deux. Allez, deux. Trap de chaîne. Yeah. Mais je voulais les jolies dalles. Ah, oh, bah il m'en reste plus beaucoup, dis donc. Arf. Arf, arf, arf. Alors attends, moins intelligemment, il faudrait que je fasse ça. Voilà. Ah bah, j'ai pas fait exprès, pile poil le nombre qu'il faut, dis donc. C'est-il pas beau? C'est-il pas beau?
Là, je vais mettre une grille. Je vais garder mon édifice en bois. Au début, je pensais le déconstruire, mais finalement, je l'aime bien. Ça ferait en plus un lit de secours à quelqu'un qui veut se réfugier. Finalement, je vais laisser mon lit de fortune dedans. Mais je vais grillager là pour dire attention, danger. Je vais grillager tout ça. Attends, j'ai pas des grilles de fer qui traînent ici. Au lieu d'en générer à nouveau, je vais peut-être éviter de gâcher un peu le fer, mais non, finalement j'en ai pas. Bon. Ah, plus tard le feu de camp, j'en mettrai plus tard. Je sais pas où, mais plus tard. Ouais, j'ai même les trappes en fer. Ouais, les trappes en fer, je les garde pour le lien entre le niveau de la mer et la plateforme, histoire de faire des trucs d'évacuation par rapport aux égouts. Ça fait cohérent. Ça fait quoi, hein? Voilà, j'allume mon cerveau. Les lingots de fer, il me faut. Voilà. Voilà, je vais faire des barreaux de fer. Dribbling. Alors, c'est moi, il n'y a plus de musique. Vous du. La liste de lecture est censée tourner en boucle. Ouais, je mets un. Je mettrai juste de la diorite et puis je sais pas si je fais un bâtiment là où il sera accessible de l'autre côté. Bref. On verra. On verra en fonction. Là j'ai un peu de diorite mais j'en ai pas assez en fait. Il en faudra plus. Là, je monte carrément sur les coffres. Le mec, aucun respect. Le gars, il est fou. Oui, non, j'en ai pas assez là. Faut que j'aille puiser dans les réserves. Les gravats, merde, ça c'est la terre. Et ben voilà, mais oui, voilà. Voilà, suffit amplement ça. Allez, hop. Le surplus, je le range et adjugé vendu. Mais oui, mais hey. J'ai vraiment plus de zik. Attendez, excusez-moi, je comprends pas. Ah, c'est une musique très très douce. D'accord, ok. Tout va bien. C'est moi qui flippe pour rien. C'est juste que j'arrive même pas à percevoir le son de la musique. Ah bah tiens, je vais mettre en escalier. Pendant un premier temps, ça va m'aider à accéder au toit de la bibliothèque. Il faut que je finisse de bâtir la bibliothèque. Et je devrais avoir suffisamment de bois maintenant en plus. Mais il faudra que je fasse les tâches supérieures. Voilà. Hop, il y aura l'accès à chez moi. Et puis, hop, au bout de l'impasse, il y aura la trappe pour descendre dans les... Sortir de la plateforme ou de aller dans les égouts, ce sera bien.
Alors c'est faux, il faudra que je change cette commande, ce message. Récurrent Minecraft, oui, mais Seven Days to Die, non. Et Project Zomboid, non. En fait, j'ai vu trop gros parce que c'est des jeux que j'aime beaucoup, mais en fait, ils sont trop chronophages. Donc, non. J'aimerais remplacer Seven Days to Die et Project Zomboid par du Vroom Vroom divers jeux. C'est marrant la différence entre le moment où je me projetais dans la construction de ma chaîne et le fait de le vivre, c'est pas pareil. Il faudra que je corrige tout ça. Ouais, c'est vrai, il faudrait que je le fasse. Je le ferai ce soir, je pense, vers les 21h. C'est vrai que je respecte mon affichage, là, tu vois, il faut que je zappe mon truc. Pardon, ça fait zapper le jeu. Et il faudrait que je vous déclare 21h. Environ. Voilà. Il faudrait que je vous déclare ça. Ouais. Tableau mystère pour 21h. Là, on est dimanche, on y jouera ce soir. Et puis demain, je pense que je vous quitterai sur les bibis en espérant qu'on soit en petit comité, un petit nombre quand même conséquent, quoi. De faire les bibis entre 5. Oui, note, nuit de scène, ouais. Comme c'est ton jeu favori. Ce soir, il y aura du Tomb Raider à la reprise tout à l'heure après Fun Fan. Je ferai du Tomb Raider. Mais peut-être pas que. J'improviserai peut-être un autre jeu, je sais pas, on verra. On verra la tournure des événements. Et théoriquement, demain matin, je vous fais du Planet Crafter. Et l'après-midi, je vous fais le camion. L'American Truck Racing. Pour être très posé, papoter avec vous. Je ferai peut-être même une vocale ouverte, tiens, pour le. Pour l'American Truck Racing, on verra. Racing, Simulator, pardon. Je veux faire des compétitions de course partout. Je mets racing à... le terme racing à tous les jeux. C'est rigolo de voir le tableau à travers la fenêtre. C'est marrant. Bon, là, je tourne un peu trop en rond. J'essaie d'être productif. Donc, les dalles, il faudrait que j'en mette pour la rue. Il faut que je génère des dalles. Donc il faut que je cuise de la roche encore et toujours. L'accès aux égouts est fermé. Ouais, la porte est claquée. Là, il faut se méfier de l'arrivée des ennemis par là. Ouais. Oh. Enfin bref. Alors attendez, les grilles, je vais pouvoir les ranger en bas. Ouais, je vais garder le panonceau là. Oh, le boxon. Ah, des graines de citrouille. Ah, c'est pas idiot. Je pourrais peut-être piquer des citrouilles dans la pépine. Ah ouais, mais je veux mettre les fougères, moi. Ou alors je ferais. Non, je ferais les citrouilles dans un truc à part. Eh, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée pour faciliter la culture de citrouilles. Mais ce sera pas pour maintenant, parce que il me faudra que je prévoie une grande voie de circulation. En fait, j'imagine, vous savez, le terre-plein central d'une avenue, donc deux fois une rue en capacité. Et le terre-plein central permettrait de repiquer aisément au milieu les citrouilles qui poussent. Comme c'est un grand lieu de passage, chacun pourra récolter sa citrouille et elle repoussera après. C'est con, mais c'est. Enfin voilà quoi, c'est bien pensé. Enfin, ça peut paraître idiot, pardon, pour bien parler de manière. Au premier abord, mais finalement, c'est un truc bien calculé. Ah, mais j'ai plus de roche à gogo sur moi. Ouais, la porte, je l'ai laissée là. Tac, tac, tac. Merde, j'ai plus de bois. Ah, j'ai déposé trop de bois, moi, tout à l'heure. Bon, c'est pas la fin du monde, mais. Il faudrait presque que j'aille tout simplement miner.
peux récolter du... Eh ben... qu'est-ce que je fais? Je sacrifie quelques sapins avant la tombée de la nuit. Sauf que j'ai envie de dire le bois de sapin est entre guillemets précieux, mais ouais, j'en ai repiqué suffisamment pour générer facilement une pépinière. Je m'en fais pas plus que ça. J'avais quoi là? J'avais de quoi construire le pont, je crois. Ah oui, puis continuer les passerelles surtout. Les passerelles, les plateformes. Il est midi, bon app si vous passez à table. Ah, mes envies commencent à changer pour le déjeuner. Tout à l'heure, j'affirmais que je voulais brouter de la salade, mais finalement... Bah, même le serveur le rappelle. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions de copies. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg. Yeah. Merci pour la pub, mon cher Twinsen. Message de FunFan 1992, le terme exact, c'est pas plutôt exemplaire, au mieux de copie. Oui. Enfin, moi j'étais habitué à dire des copies sont vendues. Oui, tu penses à une copie? Tu as le sous-entendu tipiaké illégal. Ah non, ça te fait penser à des lignes, copie. Oula, toi aussi, t'es traumatisé d'éducation nationale. T'as eu beaucoup de punitions. Mais... ouais, les deux se disent, dit une scène. Mais si ça te met plus à l'aise que j'emploie le terme exemplaire, je vais mettre exemplaire. Je pourrais même vous le faire rapidement en direct. Comme la nuit va tomber, je vais le faire. Quand la nuit minecraftienne va arriver, là, ça va être le crépuscule. Je vais éditer la phrase dans ma coulisse en temps réel. Bonjour, Pop and Ripop. Oh, ouais, c'est une bricole, mais je peux la faire. Autant la faire maintenant, FunFan. Je sais pas pour ce que ça me coûte, hein. Elle est pas mal aussi, cette musique. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelqu'un qui fait acte de fidélité, un certain Golden. Merci, bonjour et bienvenue, c'est gentil. Ouais, je vais bien, merci, Pop and Repop. Bah, programme dans Minecraft, je continue un petit peu la plateforme. Le but de ce matin, c'était de faire du repiquage des arbres de la jungle, les vachement hauts, là. L'acajou. Mais en dehors de ça, voilà, je tourne un peu en rond, puis on papote entre nous. Ah, pas mal tenté de faire un point d'exclamation notch, Tunsen. Mais non, j'ai pas prévu cette commande. Mais bien tenté, Tunsen. Il y a de l'idée. Alors, Nash dit, en y repensant, je me demande vraiment quel jeu pourrait battre Minecraft sur le nombre de ventes. Bah, actuellement, le jeu n'existe pas. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. La chaîne.
Un zombie spécial, ça, c'est un ancien. Alors, on peut les dézombifier, les pauvres villageois, mais ça coûte cher. Faut faire une potion spéciale. Alors, j'ai pas encore déverrouillé l'alchimie. Et il faut donner une pomme d'or. Alors, des pommes d'or, j'en ai, mais elles sont rarissimes. Candy Crush, Angry Bird, non, je pense pas. Non, non, Minecraft, franchement. C'est le jeu, effectivement. Non, Tetris. Alors, là, tu vas polémiquer une scène. Parce qu'en fait, toi, tu veux dire que Tetris n'a qu'une seule version, ce qui est inexact en plus. Oui, c'est par rapport aux versions cumulées, mais sous la même bannière, le même titre de jeu. Ouais, bon, après, on peut subdiviser et polémiquer, mais. Bon, je vais profiter pour mettre à jour là. Effectivement, je vais dire exemplaire au lieu de copie dans la commande. Attendez, je vais éditer à chaud mon schmilblick. Au moins, ce sera fait. Alors, connexion par Twitch sous Wisebot. Blablabla. Chargement en cours. Mes commandes. La commande, c'était Minecraft. Ah, alors, éditer. Éditer. Voilà, je vais dire exemplaire. Ah bah, malware petit truc muche qui fait sa pub. Une pub offerte sur mon canal à Malbit anti-malware, c'est mon anti-cochonnerie qui complète l'antivirus intégré à Windows et c'est très bien. Bah voilà, c'est changé. C'est changé, c'est changé. Hop là. Hop là, voilà. En réalité, c'est Resident Evil 5 le plus vendu. Ah oui, t'es. Ah ouais, Pop and Ripop, t'es totalement à fond dans Elden Ring. T'es super fana. Bon, bah, c'est bien, tant mieux pour toi. Le peu que j'ai vu, moi, j'ai pas du tout accroché. Ça me fait fuir, honnêtement. Mais voilà, tous les goûts sont dans la nature. Il a fait un giga troll, fun fan. C'est pour ça. 5 têtes de troll, ça coûte cher là en vannage. Va mourir! Damn. Eh ben c'est bien, il aura. Oh là. Non, c'est pas si bien que ça. Parce qu'il a mal pété la. Alors là, c'est perfectible dans la. Ah, merdoum. Voilà, que ça redevienne plat, merci. Dans la physique du jeu. C'est perfectible. Attendez, je lis. Je vais éliminer, hein. Je vais éliminer pour la dernière heure, pardon, mais au moins j'aurai de la roche que je ferai cuire, ça m'arrange. Puis pour ceux qui m'ont suivi depuis ce matin, depuis 10 h, ça fera un peu de tout. On aura fait de la surface, de la construction, du souterrain. Ça fait équilibrer pour 3 heures de jeu. Vous aurez presque vu la plupart des aspects du jeu. Si je rêve un ban 10 minutes, j'ai un peu de plaisir et parce que je peux te le permettre. Alors, Pop and Ripop nous dit, je suis un vieux de la vieille des From Software. Et Elden Ring est leur jeu le plus abouti, donc oui, je suis fan. D'accord. Si c'est volontaire, c'est pas une bavure. Ouhouhou. Ah là là. Oh, qu'est-ce que je vois?
Qu'est-ce que je vois? Oui, c'est de l'humour trop amical, bah oui. Qu'est-ce que je vois que Pop Henry Pop? Que Pop Henry Pop n'a pas le statut qu'il mérite. Voilà, chose faite. Mouah. Oui, il a toujours été troll, ouais. Ah, pas mal la capture d'écran. Le squelette de nuit au sommet de l'iceberg. Sacré tweet de scène. Bref, je disais que j'allais miner, je vais y aller parce que c'est pas tout de gambader là et de. Oui, bah je découvre. Ah non, 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 le bois, il m'en faut un peu du bois. Bon, je vais pas tout prendre, mais. Voilà, je tombe. Wally, wally. Allez, go minage. Tu de go. Ah oui, elle est adorable, Christella, elle est adorable. Non, c'est dangereux par ici. C'est vrai que c'est la partie océan, c'est chiant. Il faudrait que j'aille un peu plus loin au niveau minage. Là, c'était pas idiot mon truc. Mais je vais aller un peu plus loin, effectivement, miner. Oh, petit Seb Live, merci pour le relais de chaîne. Bonjour petit Seb, j'espère que tu vas bien. Message de FunFan 1992, bonjour et bienvenue à la communauté de Petit Seb-Bas Live. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. Salut, salut petit Seb. C'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue.
Voilà. Attendez que je vous lise. Il faut de toute façon. Alors j'essaie de miner à peu près droit et de vous lire en même temps, c'est très dur. Il faut. Non, je peux pas. Il faut que je me pose pour vous lire dans le chat parce que je vais faire des âneries. Alors, Nashevman vers Funfan. Il faut de toute façon, là je troll un peu, mais quand il faut frapper, faut pas hésiter, t'as rien à perdre de toute façon quand tu tombes sur un guignol. Funfan répond, Anash, tout à fait, dans le cadre de Tutsentui, je le connais au moins depuis un an, et même s'il me troll beaucoup en coulisses, il m'aide beaucoup. Oui, ça compense, ouais. Oui, mais oui qu'il a un bon fond, notre Tutsen. Ouais, bah oui. Ouais, ma petit Seb, dans l'ensemble, on va bien. Ouais, merci, j'espère que toi aussi, tu fais le même heureux constat. Dimanche matin, voilà, tranquillou. Enfin, de la fraîcheur chez certains. Là, il y a Monsieur Poupon qui est passé tout à l'heure, Nashevman, qui peuvent témoigner qu'ils ont enfin un peu de flotte. Attendez, il faut que je me rassoie, je suis mal assis. Là. Je suis en train de me couler, de crouler même dans mon fauteuil. Et je suis en train de me faire mal au lombaire. Oula, Funfan qui m'interpelle. Vive l'équipe verte. Oui, telle une plante sans eau, je revis. Oui, nous dit Nash. Ouais, bah oui. Alors, Funfan me dit, à la base, on a convenu 13h, mais peut-être comme je suis avec deux personnes, retard possible, je te dirai quand je serai passionné pour le relais de chaîne. Oui, relax. Oui, bah c'est une heure relative hein, qui est déclarée. Et puis, ouais. Oui, tu me dis. Ça va, là, j'ai pas encore trop faim. Donc, si je déjeune à 14h... C'est triste à dire quelque part, mais si je déjeune à 14h, ça m'a rappelé les semaines où je suis complètement décalé et débordé par le taf. Bref. Enfin bon.
Mais je vais vous lire, je vois que vous m'avez interpellé dans le chat. Parce que, alors, pour vous donner l'info technique, en fait, quand vous, et c'est très bien hein, ce que vous faites, quand vous m'interpellez avec l'arrobase et mon pseudo, en fait, le message qui m'est adressé n'apparaît pas sur fond noir comme les autres, mais sur fond rouge, rouge-vermillon. Donc même du coin de l'œil, sans tourner mon regard vers l'écran secondaire, je vois que je me suis fait, on va dire, alpaguer, enfin interpeller. Vous le faites très bien. Alors, attendez. Ah oui, je viens de penser sur Half-Life Opposing Force. J'espère que tu feras l'entraînement parce que le sergent instructeur, il te parle comme un moins que rien et ça vaut le coup. Ah merde, je l'avais zappé par défaut parce que j'étais dans le HO du. Bah, à un moment, à une reprise, je glisserai l'entraînement, je le ferai, et puis je continuerai la carrière avec le militaire. A plus, Olive Kitou, Kitou. Olive Kitou, oh mon dieu. Olive Kitou, oui, à plus. Ah, tu retournes de dos. Bah, bon repos, bisous tout plein. Merci, Olive, bisous tout plein. T'as bien raison, récupère un max d'énergie. Ah, une dernière pêche qui tourne au scandale, pas de bol. C'est quoi qui t'arrive? L'exhibitionniste! Ah, excellent! Aïe aïe aïe! Voilà, avec une vanne qui est offerte par la maison. Le jeu de mots est facile, hein, c'est un classique français. Enfin, je l'estime, tel quel. Excellent! Énorme. Ah, ça faisait longtemps que le coup de l'exhibitionniste n'était pas tombé à la pêche. Bon repos à toi, Olive, à plus. Oh, j'ai de l'obsidienne. Non, il y a une poche de lave à proximité? Surprenant de trouver de l'obsidienne comme ça à l'arrache. Il y aura une poche de lave pas très loin. Il y a une faute, tu as écrit le fond. Le long, ah. Ouais, j'ai peut-être rédigé mon pavé trop vite. Ah oui, un D à la place du G, exact. Ouais, bah attends, je vais corriger tout de suite. Je vais aller rechercher la réplique. Au moins, ce sera fait parce que sinon, je vais oublier. Ouais, merci, tu fais bien de me relire. Attendez voir. Alors, la pêche, c'est dans Interaction normalement, je crois. Dans les jeux, la pêche, elle est là. Alors, j'ai tellement de répliques pour retrouver la réplique de l'exhibitionniste. Au moins c'est scindé en deux. Il y a les réussites et les loupés. Attendez, minute papillon. Oh la vache, j'ai pas mal de répliques, hein. Je les ai pas comptées, mais j'en ai pas mal, c'est ça qui est cool. J'ai été vachement inspiré. C'est toujours pas ça. Ah, le voilà, je l'ai retrouvé. Donc le long. Ah oui, avec un D, avec un G. Ouais, c'est bon, je corrige. Voilà. Ouais, merci. Zégoligé. Ouais, du coup, ça donnera ça maintenant. Voilà.
Enfin, si j'arrive à valider mon truc. Oh, bonjour, Aeroster. Comment que ça va, Aeroster? Merci à toi de passer faire un petit coucou alors que je corrigeais une faute de saisie orthographe dans mon jeu de la pêche. Vu par Nash, merci Nash, t'es un chef. Plus de frais dans ton secteur, je présume, Aeroster, comme t'es du bois à chair. Je pense que tu dois respirer un peu mieux ce matin aussi. Nous, dans l'ensemble, ça va aussi, merci. Ah ouais, waouh. Oh la vache, la voie d'eau. La voie d'eau souterraine qui va me stopper net, là. Elle mériterait que je mette des carreaux, des vitres, tellement qu'elle est belle, là, sur le côté, la voie d'eau. Par contre, là, c'est pas cool. Là, c'est dangereux. Ah, de toute façon, je suis quasiment rempli, alors... Oula, vite, je vais me noyer. Ah, c'était juste l'apnée. Ouais, je vais remonter à la surface et je vais aller chercher des cubes de verre. Ouais, c'est bien mieux depuis ce matin. Ouais, bah tout le monde respire. Alors moi, en Lorraine, j'ai pas encore de la flotte, mais l'air est normal, j'ai envie de dire. Il n'est plus chargé en chaleur. Mais... Non, c'est surtout mardi où ils annoncent de la flotte toute la journée et là, je vais pas bouder mon plaisir. J'espère que modérément la pluie va tomber, pas tout d'un coup, hein, que ça ruisselle pas. Et là, la semaine prochaine qui arrive, je vais revivre. Je vais revivre. Tibidi bidi bidi. J'aime bien la musique. Ah, il pleut comme vache qui pisse. À nouveau. Ah oui, j'avais dit que je faisais cuire la roche. Cuire la roche, cuire la roche, cuire la roche. 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 Mince. Bah, ça aussi, d'ailleurs, la pierre des abîmes, je peux la... Je peux la mettre en cuisson. Hop là. Ouais, bah je vais mettre du fer là, puis là je vais mettre du... Hop, comme ça j'ai une ligne, une rangée complète de four qui carbure et c'est pas plus mal. Alors attendez, que je fasse pas trop le bazar. Voilà, la terre, exceptionnellement je peux la mettre là en attendant. Non, boule de slime, je vais peut-être la ranger dans les précieux. Là, je vais remettre le charbon que j'ai trouvé. Et dans les tonneaux dehors, je vais mettre les ressources précieuses. Ah, bah, je vais compacter un peu la redstone. Redstone, allez, en bloc, clac. Voilà, là, c'est très bien. Le slime, je vais le mettre là. Non, le fer en brut, je vais peut-être le mettre dans l'autre. Voilà. C'est horrible, mais on va finir par faire comme les Indiens d'Amérique, on va faire des vrais cérémoniales pour le retour de la pluie. Attendez, pardon. J'ai un doute sur la position de ma caméra. J'ai l'impression qu'elle pointe trop vers le bas. Je suis pas sûr que vous voyez ma tronche. Je vais jeter un rapide coup d'œil sur mon retour de... Attendez, pardon, j'appe un peu. Quel signal je vous envoie là? Que je regarde un peu la perceuse. Ah oui, je suis un petit peu décapité au niveau du crâne. Me disais bien qu'elle pointait un peu trop vers le bas. Oups. J'évite de trop la bousculer parce que la webcam est sensible. Si j'ai le faux contact avec le câble, elle va se mettre en grève. Alors voilà, là vous me voyez un peu mieux. Encore que j'ai l'impression que vous voyez mon... Non, ah non, c'est mon cadre, c'est pas mon plafond. C'est pas pareil. Donc ça va. On y retourne. Excusez. Touk. Ah.
Non, bah je vais retourner miner. Oui, alors j'avais dit des cubes de verre. Ouais, c'est vrai, faut que je fasse la paroi souterraine classe. Ouais, je préfère en avoir plus que pas assez. Parce que si c'est pour faire plusieurs allers-retours. Oh oh oh, l'aube. Ah, pas mal l'aube. Enfin, non, avec les flammes au premier plan, ça fait un peu bizarre. Allez, une petite capture d'écran, c'est sympa. Oh, une araignée très très vilaine. Si elle a des spirales, c'est qu'elle a un pouvoir particulier. M'en fous, j'irai pas m'y frotter. Nah. Je me barre dans les profondeurs. Ça fait trop bizarre de se diriger vers une voie d'eau. Alors, dans les cartes à les mondes assez aboutis, je ne résiste pas à me faire une belle demeure avec une cascade. Et évidemment, derrière la cascade, il y a un passage. Ça c'est un classique dans Minecraft que j'adore honorer. C'est trop tentant. C'est trop tentant. Tac, 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 tac. Attention à mon apnée. Faudra pas que je meure comme un caca bêtement. Ah bah merde, j'ai plus de roche. Ah, faut que j'aille piocher en face. Pour avoir un peu de roche. Heureusement que j'ai des pioches enchantées ultra performantes. Hein. Parce que j'aurais la pioche de base, j'aurais le temps de mourir d'asphyxie avant d'avoir mon morceau de... mon morceau de pierre. Ouais, de toute façon, il faut que je fasse l'autre côté. Ah, pars déjeuner, Nash. Bon app. Ça veut dire que tu pars déjeuner, vu l'heure. Bon appétit à toi. A plus. Bon app, Nash. Merci d'avoir joué. À toute bonne app. Ah, faut voir que je me batte contre le... contre la flotte. Ouais, ça va être assez sport d'ailleurs. Si je peux prendre... Voilà, le risque, voilà. Parce que là, forcément, il n'y a pas de cube émetteur d'eau, donc faut que je m'enfonce dans le... Hop là. Voilà, je vais faire comme ça et j'aurai un max de... De roche, ça va m'aider pour la suite. Attendez. Alors... Je vais commencer à pouvoir recouvrir... Ouais, j'en aurais pas assez, mais bon. Ce sera un début. Attention. La 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 la. Voilà, comme ça. Je vais me retrouver avec normalement. À moins que ma méthode soit pas bonne. Ah, je commence à douter là. Ouais, c'est pas forcément la meilleure méthode que j'ai eue là.
Attendez que je gère mieux le schmilblick. Mais bah là du coup je suis au sac, tu m'étonnes. L'eau pour plus venir. Ah, attendez, ouais, je vais faire une... voilà, je vais bien creuser la portion au loin avant de revenir et recouvrir, écraser les blocs d'émetteurs d'eau, les cubes de flotte. Mais c'est marrant, je suis en train de dresser un constat sur mon antenne. Surtout vis-à-vis de toi, FunFan. T'as perdu l'habitude de jouer les sons aussi. T'aimais bien jouer les sons à un moment donné. Et puis là, les sons sont laissés à l'abandon depuis une éternité, j'ai l'impression. Ça va faire 3-4 mois. Plus personne n'ose de son. C'est marrant. Il y a des périodes comme ça. Parce que sur mes 200 et quelques commandes programmées dans Wisebot, je dois en avoir au moins 50, c'est des sons. Et je trouve que c'est vachement calme depuis des semaines. Et c'est là où je salue le fait que vous soyez vachement raisonnable et respectueux. Je repense la soirée spéciale de la promenade que j'ai diffusée avec Frobose. Où on avait commenté par-dessus notre promenade sur le plateau depuis la place Tan. Aucun d'entre vous n'a lancé des sons. Je m'étais fait la remarque vers la fin de la soirée en me disant waouh, vous étiez calme, posé, complètement hypnotisé par le périple. Comment dire avec le son, on va dire que c'est quand je suis dans mes périodes de gamin. Oui, ouais, que t'as envie d'être. Ouais, de te défouler par diverses manières, ouais. J'en arriverais presque à te reprocher d'être devenu trop mature trop vite. Mais ça existe, quoi. Faut se dire que les commandes existent, et puis voilà, quoi. C'est pas perdu. Comme j'aime à le dire, c'est pas perdu. Waouh! Alors ça c'est beau. Le sol multicolore en ressources dans Minecraft, c'est génial. Alors, attendez, on y retourne. On y retourne, on y retourne. Alors là, j'ai largement ce qu'il faut pour exploser les cubes d'émetteurs de flotte. Alors, comme ça, normalement. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Attention à mon apnée. Attention à mon apnée. Oula, c'était juste. Voilà, normalement, là, j'ai la portée et le nombre de cubes nécessaires pour complètement exploser la flotte. Voilà. Normalement, je vais pouvoir tout déblayer au propre. Ah, voilà. Du comment savoir maîtriser la physique du jeu dans Minecraft. Qui a parfois, je le sais, une logique déroutante par rapport à la réalité. Mais ce sont les lois de la physique minecraftienne. Et ben voilà. Ah, cool. Voilà, petite curiosité de voir le bras d'eau. Voilà, avec les bulles, c'est impressionnant. Ah, c'est sympa comme ça. Ibi. Alors, les torches. Il faut que je réorganise les torches au niveau de l'éclairage. Mais bon, autant la mettre à l'extrémité, ça fait un peu de lumière en biais par rapport à la vitre. Ça permet de voir avec un peu plus de profondeur. Ça joue, hein. On voit l'influence de la lumière. Là, on le voit mieux. Hop là, voilà. Là, comme ça, c'est bien. Alors, la richesse. Ouais, c'est bien. J'ai de l'espace dans mon inventaire.
Ouais. Oh merde, je prends pas la bonne pioche, qui est con. Faut que je prenne la pioche spéciale Fortune 3 pour m'en mettre plein les fouilles. C'est la richesse absolue. Oh, 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 oh. Nash qui parlait du diamant avec Poupon tout à l'heure. Le voilà le diamant. Oh, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Ah, puis ça y est, enchantement. Là, je suis expérience 30, ça vaut le coup. Donc la prochaine fois que je remonte à la surface, je me sera gratifié d'un enchantement en fait. Eh ben c'est tout bénef. C'est la richesse. C'est cool. Je me relirai un peu dans mes répliques automatiques de Westbot tout à l'heure quand Funfan prendra son antenne. Comme c'est bien, merci, vous me relisez, vous m'aidez à corriger les fautes, les erreurs. Et puis il y a des infos qu'il faut que je mette à jour. Comme le coup de tout à l'heure récurrent, les jeux Minecraft, Project Zomboid et Seven Days to Die, et c'est ce que j'avais souhaité à la base, mais finalement, dans la pratique, c'est pas ça, donc il faut que je corrige l'annonce. Je m'amuserai à ça tout à l'heure. Tout en continuant, je pense à jouer à Minecraft hors antenne. Donc je retrouverai possiblement Nash tout à l'heure. On sera synchronisé dans la partie. Aïe. Attention, j'ai mal placé mon coude. J'étais en train de me faire mal par rapport à mon mobilier. J'ai le coude qui tape dans un meuble. Ouah! Cette poche de terre de fou furieux. Oh mon dieu. Alors attendez, là il y a une excavation de fou. Mais j'avais pas vu ta dernière phrase. SDR aurait apprécié cette période, lol. Oui, bah bon, voilà quoi. Il y a aussi qu'il y a un contexte pour les sons qui n'est pas favorable. Ouais. Alors je fais un truc vachement dangereux en fait, c'est que je creuse au-dessus de ma tête. Et Minecraft normalement... Oh, ça c'est une cavité naturelle. Normalement il faut pas... C'est le risque d'avoir un truc qui nous tombe dessus, littéralement. Ah oui, il y a une cavité naturelle. Tiens. On va s'amuser à aller l'explorer une fois que j'aurai... Ah bah non, oh merde, j'ai plus de place. Aïe, ouch. Il faut que je me fasse un établi de fortune là parce que il faut que je compacte les choses. Ouh là là, ça va être un peu n'importe quoi là.
Oui, alors les blocs de fer brut, effectivement, je... Non, pas le fer brut, de cuivre. Cuivre, là j'en ai beaucoup, oui. Là, ça vaut le coup. Donc je libère de la place. Je peux déjà faire pareil avec la redstone. Je vais libérer quelques cases. Le lapis lazuli, même tarif. Voilà, je libère de la place. Oh, peut-être pas charbon non plus, on va peut-être pas exagérer. Au moins je perds rien. Ah, merde, je pensais pas tomber. Merdoum. Voilà. Tac, tac, tac. J'ai quelques torches. Je vais essayer de creuser la brèche pour accéder à la cavité. Alors, que je fasse un truc repérable de loin. Oui, ça a l'air d'être une petite cavité. Oh! Une fleur! C'est rare les fleurs en souterrain. Surprenant. Eh, la cavité commence à être vachement grande. Wouah, voilà la grotte. Voilà pas la grotte que c'est pas. Ce que je viens de dire n'a... Bref, c'est une hérésie en langue française. Oh. Le coup de grisou personnifié est là. Voilà. C'est bien, je l'ai bien propulsé contre le mur. De toute façon, c'était le cul-de-sac, alors comme ça. Non, j'ai ramassé le silex. J'en veux pas du silex. C'est un peu à l'inspiration des moments, je me dis. Ouais, oui, je comprends. De l'usage et de l'art, de l'usage des sons. Ah ouais, c'était... Ouais, non, ça va pas plus loin. Sauf si j'essaie de creuser un peu, peut-être. Non, visiblement, ça s'arrête vraiment. Ouais, non, ça s'arrête vraiment. Y a rien d'autre. Oui, non, je suis plein. Tant pis, je reviendrai réexplorer un peu plus tard. Eh ben là, remonter à la surface, ça va valoir le coup. Eh, merci à vous d'être si nombreux. Vous êtes visiblement 10 connectés à mon antenne. Ah, merci. C'est mes meilleures audiences quand j'atteins la dizaine de spectateurs. Merci à vous d'être là. Waouh. Surtout un dimanche midi à un 15 août. Quand même, merci. Ça m'épate. Bonjour Tixige! Ah, tu as enfin débarqué au Japon. Comment ça se passe? Ça se passe bien? T'es tout sourire apparemment avec le smiley. Eh ben, konnichiwa. J'ai atterri à 6h15 du mat, je suis totalement décalé. Bah ouais, va falloir que tu t'acclimates, mon pauvre Tixige. Eh ben, on fait vœu que ton expérience Japon se passe très bien, hein. Bon courage pour le boulot au Japon. Merci du coucou. Ah là là, sacré Tixige. Alors là, il est... Bah oui, avec le décalage, ouais, il est 19h50 au Japon et du coup, je sais pas quelle est l'heure en France. Bah, tu peux voir mon affichage graphique. Il est midi 50 en France, là. Effectivement, si tu veux l'heure française, tu peux te connecter à ma chaîne. C'est con, mais voilà. Ah. Bah oui, c'est fatigant les décalages. Forcément. Forcément, t'exiges. Non, mais je comprends parfaitement. Puis même, tu dois être bien, bien secoué de ton voyage. Ouais, là, pour le coup, c'est le côté pratique pour toi. Bah voilà, ouais, on te souhaite le meilleur, hein, une fois que tu débarques au Japon pour bosser, que t'arrives, voilà, à t'acclimater. J'en reviens pas, il fait 28 là-bas, même à 19h. Alors, les Japonais, et là-dessus, je ne les salue pas,
parce que j'estime personnellement que c'est un mauvais choix, mais les Japonais sont des aficionados des climatiseurs. Ils te mettent des climatiseurs partout, les Japonais. Et en fait, c'est parce que c'est l'entreprise nationale Mitsubishi. Mitsubishi crée des modèles de climatiseurs qui sont très populaires là-bas. Mais je cautionne pas contre la canicule les climatiseurs. À titre industriel, professionnel, je tolère. Mais à titre personnel, alors que les Japonais le font dans leurs apparts, les installations clim, je suis pas pour. Ça tient qu'à moi, hein, c'est mon avis. Oui au ventilo. Oui au ventilo perso et... Les climatiseurs, si c'est justifié en milieu professionnel. Mais voilà, les Japonais, ils vous pondent des climatiseurs partout. Vous regardez le moindre immeuble japonais, et même certaines habitations, voire certaines traditionnelles, vous avez un climatiseur qui est greffé comme une sangsue sur la paroi extérieure du bâtiment. C'est... Voilà, bon... Allez hop, je vais mettre ça là. J'ai ce qui était à cuire qui est déjà prêt. Je vais remettre la pierre classique là. Là je vais mettre le reste. Ah oui le verre, non le verre je vais le ranger là. Il était là le verre. Enfin ça venait de ma baraque au début mais c'est du pareil au même. Alors, l'enchantement, je peux faire un enchantement. Oui, j'ai pas mis les diamants là, mais... je vais faire par avance 3 pioches, je vais en enchanter une. Parce qu'avoir les pioches enchantées, c'est le pied. On va se rendre à la bibliothèque municipale dans ces par-là. J'allais me tromper de chemin, j'allais prendre la voie des égouts, moi. N'importe nawak. Si, n'importe nawak. Alors. Ah, une classique. Solidité 3, efficacité 4. C'est bien, c'est bon, ça. C'est bon pour le minage. C'est bon, bon. Ah! J'ai merdé la fermeture de ma trap. Bon bah je me répète, mais bon app pour ceux qui passent à table. Je passerai à table une fois que Funfan me dira que le relais de chaîne est prêt. Attendez, symboliquement je vais prendre un peu de... Voilà. Hop, je vais retourner dans les limbes. Enfin non, j'exagère, dans les souterrains. Alors, les deux guides sont présents, donc ce sera bon pour 13h. Wow ! Très bien. Bah, je te programme le relais de chaîne quand je vais avoir mon horloge qui va sonner sur mon antenne. Là, le tic-tic-tic-tic-tic-tic. Donc, je peux déjà réfléchir à ce que je vais me miamer. Ouais, bonne app, bon dimanche, merci d'être passé, Pop and Ripop. Très gentil, à plus. Et puis, bonne prise d'antenne pour ceux qui prennent leur antenne hein, dans la journée. Je sais que c'est normalement le cas d'Aerostar, c'est peut-être toi Pop and Ripop, peut-être que Petit Seb aussi va se faire plaisir, entre autres. Pardon si j'oublie certains d'entre vous. C'est vrai que c'est cool, quelques-uns... Merde, j'ai pas pris le bon chemin. Quelques-uns d'entre vous sont des diffuseurs aussi. Oh, remarque, je continue par là-bas, tiens. Ça va me changer de lieu de minage. Pam 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 pam.
Oh, qu'est-ce que je vais me mettre sous la dent ce midi? Qu'est-ce que je vais me mettre sous la dent ce midi? Finalement, je me demande si je vais pas me faire des pâtes. Des pâtes blé complètes, j'ai des lardons, de la crème fraîche. Ou alors je me fais des croque-monsieur à la dinde. C'est pas mal non plus, c'est vrai que j'ai du pain de mie. Ouais, je vais me faire des croque-monsieur. Enfin, une variante. J'ai remplacé la chair de porc par de la chair de dinde. Miam. Oh, la bonne idée que je viens d'avoir. Et surtout que je peux me faire un peu de salade. Pour parer le côté potentiellement sec de des croques. Je vais me régaler ce midi. Ah non, ah oui, d'accord, tu prends pas l'antenne aujourd'hui, Pop Emery Pop. Ok, merci pour l'info. Ouais, c'est toujours bon, t'exige. C'est toujours le bon. Et je le rappelle, on parle de croque-monsieur. Et il existe le croque-madame. Il consiste en fait à rajouter un œuf par-dessus le croque-monsieur. Et le croque est féminisé, entre guillemets. Ça devient un croque-madame. Ça m'a toujours amusé, cette recette et ce terme, ce mot, ce nom. Ah merde, homme. J'ai mal placé mon cube, mais c'est pas grave, c'est la richesse, j'en ai plein. Ah, toi t'es un habitué du croque-madame, t'exige. Ok. Okidoki. Non, moi ce que j'aime bien, c'est le croque-saumon. Tu remplaces la chair de cochon par de la chair de saumon ou de truite fumée. Et les croque-poissons, j'aime bien. Ça, c'est une idée à moi, en fait. Le pire, c'est que c'est né quand j'en avais marre que mon papa me serve à table des croque-monsieur à l'époque où il pouvait encore cuisiner. Il aimait beaucoup faire les croque-monsieur. Et je finissais par saturer et je voulais une variante et... Je me suis dit, tiens, je vais mettre de la truite fumée à la place. Et tu saupoudres d'oseille. Une tuerie. Ouais, voilà. Je tiens mes engagements. J'avais dit qu'à la sonnerie, je programmerais le raid chez FunFan. On va aller chez FunFan. Merci à vous toutes d'avoir été là. Merci à je sais plus qui, pardon, pour l'acte de fidélité. Hop là. Voilà, on le voit à l'écran, Golden GV, on voit mon système d'alerte. Merci à Golden GVOLCBT1. On dirait le nom d'un robot, pardon, sans offense. A plus, TigGiz, j'ai un bon courage pour le Japon. Oui, attendez, pardon, je vais vous quitter en vous mettant ma tronche en cadeau en plein écran. Voilà, voilà. Oui, non, là je suis dans la mine, je suis pas en danger.
Donc, Final Fantasy chez FunFan. Je sais pas, j'ai pas regardé discrètement dans ma liste déconnectée s'il y avait Tensa libre. C'est le genre de programme qui lui plairait. Enfin bon, s'il vient flâner sur ma chaîne, il verra le relais de chaîne et le signal de FunFan. Donc voilà. Ce sera pas plus mal. Bon, bah, bon courage pour la suite, hein, toi Tixi. On te souhaite le meilleur, c'est cool. Ce qui t'arrive, c'est bien. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Bon app, bon miam. Finalement, je vais me déconnecter de Minecraft parce que je vais aller au fourneau. Le temps de préparer mes croque-monsieur, je serai pas devant l'écran pendant un gros quart d'heure là. Wally, Walou. Je rejouerai tout à l'heure. Non, je t'en prie, t'exige. Un plaisir. Merci à toi d'être passé faire un petit coucou et donner des nouvelles. C'est cool, merci. C'est apprécié, comme on dit. Voilà, je sais pas quoi d'autre ajouter, tout est dit. Moi, je vous retrouve tout à l'heure en fin d'après-midi pour du Tomb Raider. Et puis les anonymes, bah merci à vous. Voilà, je suis en train de perdre le contrôle du truc, moi. Pff, oh là là, je fais n'importe. Ah, le titre est pas bon chez FunFan. Va falloir que je corrige ça comme je suis dans sa modération. Moi, il faut que je coupe mon enregistrement et ma diffusion. Merci les anonymes, prenez soin de vous aussi. Ciao, ciao, à plus. Pour ceux qui regardent Arnif sur YouTube, à la prochaine pour le prochain épisode. Bye bye.